Chers tous, rebonjour Cash, mercredi 28 août 2024. Alors, la deuxième partie de la vidéo que je fais au sujet des associations, parce que certains en commentaire, ça va dans tous les sens. Alors, ceux qui viennent commenter, parce que c'est un débat de la discussion, jaillit la lumière. C'est comme dans une famille, on dit le linge sale se lave en famille. Celui qui n'accepte pas la critique constructive, ça ne vient pas insulter. Si vous constatez qu'ils s'arc-boutent dans leur idée de créer des associations dans chaque village et de dire que, bon, nous, Oligingema est de notre village, donc on crée l'association, laissez-les continuer dans leur logique. Le seul vrai juge, c'est l'OTAN. Nous voulons tous la réussite de cette transition. Encore que, pendant que certains se battaient, avaient le courage de dire que ce n'était pas bien, c'est que M. Ali Bongo et la bande des amis de son fils faisaient. Certains qui sont dans les associations, qui disent être des fan clubs, mieux aimés au Oligingema que quiconque, étaient matin, midi et soir à dire il faut qu'Ali soit président, il faut même que Noureddi nous soit aussi président. Ils étaient là à soutenir la Young Team. On sait, on est au Gabon, on ne vit pas sur Mars. Alors à cela, je dis, c'est pas la peine de faire la bagarre de répondre aux injures. Si ce n'était que les associations, on a vu sous à Promessi, hein. Ce sont les mêmes Gabonais. Hein. Nous sommes tous là au Gabon, on se connaît, qui ont fait les associations pour soutenir à Promessi. Lorsqu'on a dit la Légion étrangère, c'est trop qu'il y ait des étrangers comme ci, comme ça. Et pas tous les étrangers. Il y a des étrangers bien, mais ceux qui sont mauvais. Moi-même, mon père était étranger. OK? Parce qu'il y en a qui sont vraiment... bon, c'est pas embrigadé. Donc, si ce n'était que les associations, sous la Gève, on a vu. Sous la, ben, ceux qui sont en prison, la Young Team, on a vu. Si c'était que les associations, on aurait développé le Gabon. Donc, même dans le discours d'Oligui du 16 août, quand il dit on ne doit pas seulement construire les routes et les bâtiments, il faut construire un nouveau type de Gabonais, les associations là viennent faire le contraire de ce que lui-même Oligui a dit. Donc, si Oligingema donne une orientation, vous faites le contraire. Bon, mais écoutez, puisque c'est votre parent, ça se résume à ça. Longtemps, vous avez dit non, ça c'est la province présidentielle, c'est le Haut-Ogooué. Maintenant, vous recyclez ça aussi. Encore dans le Wellington, bon, le Haut-Ogooué, on savait déjà. Mais dans le Wellington, vous continuez à faire ce qu'on a dit là-bas. Bon, les frangins, on se connaît tous. C'est pas moi, Chamberlain, vous allez vendre... Oh, la théorie. Oh, il est contre nos frères du Wellington. C'est pas à moi que vous allez dire ça. Ceux qui disent ça, ils sont handicapés intellectuellement. Nous vous disons que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Les associations. N'appelez pas votre frère à présider ou à répondre. Non, c'est un piège. En voulant bien faire, vous exposez votre frère. Maintenant, si les autres jeunes du Gabon disent, bon, comme vous avez fait ça, monsieur le président, parrainez aussi toutes les associations concrètes. Mais vous le mettez en difficulté. Est-ce que vous n'avez pas compris ça? Ma vidéo là, si demain ça se passe mal, vous allez dire, oh, Chamberlain avait raison. Mais moi, au début, je reste permanent. Ce que je disais au président Ali Bongo, qui avait de bonnes ambitions, moi je pensais d'ailleurs qu'il n'avait pas faim, qu'il n'était plus là à montrer qu'il peut rouler des belles voitures. Il a vécu comme un prince. La preuve, son ami, c'est le roi du Maroc. Mais quand ça s'est mal passé, tout ce qui disait Ali, Ali, mais vous avez vite oublié, allez dans les réseaux sociaux, fouiller les archives. Est-ce qu'ils sont encore là à même dire que non, quand même Ali a permis à faire ceci ou cela? Moi, je suis resté là, permanent, cash. Voilà le cash. On censure à la télé et tout ça. Ils font ce qu'ils veulent, on trouve d'autres voies, on crée cash. Vous risquez de perdre le pouvoir là, que vous voulez coûte que coûte, escroquer. Parce qu'on sait que ces associations, en réalité, c'est parce que, bon, Oligui n'a pas besoin de ça s'il doit se faire élire. Il faut poser d'autres actions. Il y a des gens encore plus crédibles. Il suffit qu'ils viennent parler. Ils sillonnent le village pour dire que il nous faut Oligui. Il faut qu'il quitte du libérateur au leader. Mais c'est pas ce que vous faites. Association, association. Si ce n'était que les associations, le Gabon serait développé. Et nous savons que vos associations là, ce ne sont pas des associations, c'est un mangement. Et je vous le dis, cash, à bon entendeur, salut.